Green Michael. Beautiful draw. On a toujours vécu avec la guerre dans ce pays. C'était la guerre avant, à l'époque de la colonisation portugaise. Après la colonisation, on a accédé à l'indépendance et on a eu la guerre. Nous allons à Anzage. Nous allons atterrir sur une piste défoncée en terre. Celle de la mine de diamants de Anzage. Pour les mines, nous transportons de tout. De la nourriture, du carburant, de l'huile. La piste de Anzage n'est pas faite pour recevoir des Boeing et des avions aussi lourds. Du coup, elle est abîmée, caouteuse. La piste mesure 1800 mètres. C'est un peu court pour ce genre d'avion. Nous sommes dans un pays où l'infrastructure aéronautique est complètement dégradée. Nous atterrissons sur des pistes qui ne serviraient même pas à des voitures. Il y a souvent des trous. Nous devons slalomer pour éviter ces trous. Nous n'avons pas de marge d'erreur, soit au moment de l'approche, soit au moment du freinage. Ce sont des conditions qui ne sont pas acceptables dans d'autres endroits. Profitant de ces conjonctures, quelques aventuriers bien décidés à faire fortune en prenant tous les risques ont créé des compagnies aériennes hors normes pour approvisionner les mines en carburant. Avions de ligne déclassés, aux sièges passagers supprimés, ils ont été recyclés en tanker. Équipés de cuves fixes ou mobiles, se résume en un slogan, devenu mythique sur les aéroports du continent noir. Seuls les plus coriaces survivent. Après 7 ans passés dans l'armée, Jouan entre chez Transafrique. Il y restera 15 ans. Un théâtre de guerre. En temps de guerre, dans un pays plein de missiles, transporter du carburant, c'est comme voler dans une bombe. Parce que l'aviation était le seul moyen de communication et nous étions des cibles. Même en temps de paix, le carburant étant inflammable et l'avion rempli de composants électriques,
En cas de fuite, un court-circuit serait dramatique. Ce n'est pas quelque chose d'agréable à transporter. Trois fois par jour, le tanker se pose sur la piste qui jouxte la mine. Le carburant est pompé par un... À 10 000 dollars le vol, le business est juteux. Un vieux Boeing, acheté pour 1 million de dollars, est amorti en un mois. À Transafrique, on n'avait pas de limite. On gagnait en fonction de l'heure volée. Plus on volait, plus on gagnait. Il m'est arrivé de voler 300 heures par mois, ce qui est complètement inimaginable dans le monde de l'aviation. Mon record, ça a été de rester 3 jours sans sortir de l'avion. C'était un effort énorme que j'ai dû apprendre à maîtriser. La quantité d'argent que l'on pouvait gagner en heures de vol était unique au monde. Je me souviens de commandant de bord qui arrivait à gagner 20 000 dollars par mois. C'était des gens de réputation internationale. Certains d'entre eux avaient fait le Vietnam. C'était des cow-boys, comme on les appelait dans l'avion. J'ai beaucoup appris avec eux. Nous avons volé dans des conditions très difficiles. C'est donc toute ma formation. Être pilote chez Transafrique à cette époque, et dans ce pays surtout, c'était quelque chose de distinctif, quelque chose de presque mythique. L'état du fuselage est excellent, il n'y a pas de plis, pas de ce qu'on appelle des wrinkles, des déformations de tôle. La peinture est sale, mais la tôle elle-même est très, très droite, elle a toujours sa forme d'origine. Apparemment, l'avion n'a pas souffert de trop d'atterrissage dur. C'est un avion qui a une bonne charge utile, il décolle court, il se pose court. Et puis la trois moteurs, c'est quand même un avion fiable et sûr pour ce genre d'opération. C'est l'avion idéal pour faire du transport de fret. Et le moins cher. Débarque sur le tarmac de l'aéroport de Luanda. Il va vers 45 sans problème. Les avions qui vont en Angola et en Afrique en général sont des avions qui ont été plus ou moins déclassés dans les pays occidentaux. Il devient tout de suite un bon candidat pour l'Afrique et l'Amérique latine. Okay.